Coucou, salut, salut. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Bouyaka! Et oui, chers abonnés, commençons ce flash info par Sadio Mané. Sadio Mané qui serait apparemment amoureux bien sûr de qui? De la socialiste Kate Bashab, mais cette dernière a démenti les rumeurs selon lesquelles elle pourrait entretenir une relation secrète avec le footballeur sénégalais et attaquant de Liverpool, c'est-à-dire Sadio Mané. Parce que les deux se sont bien sûr vus en Angleterre. La jeune entrepreneur Kate Bashab a récemment publié des photos d'elle dans le stade de Anfield en train de regarder le match de Liverpool. Et selon la presse sénégalaise, Kate était là pour soutenir son amoureux, son nouvel amour Sadio Mané. Cependant, dans une conversation, elle a démenti bien sûr ces rumeurs. Elle a démenti et elle dit bien sûr, ils sont fous. Bashab a déclaré que ceux qui disent ça sont fous. Et vous savez, de son vrai nom, Kate Bashab, son vrai nom c'est Catherine Bashab. Elle est une personnalité sociale, un modèle et une entrepreneur réputée. Elle possède une célèbre boutique Bashab House qui habille les célébrités. En voyage fréquemment aux États-Unis et au Royaume-Uni pour le travail et les loisirs, c'est ça qui lui donne l'occasion de rencontrer les stars internationales selon elle. Bon, est-ce que Sadio Mané laissera lui échapper cette belle créature? Bon. Regardez les photos de cette belle créature et donnez votre avis en commentaire. Est-ce qu'il laissera cette jeune? On continue avec la star planétaire Wizkid qui est l'une des stars qui dépense de fortes sommes d'argent dans les vêtements. En effet, lors de son concert organisé à Londres dans le cadre de son événement, le Starboy Fest, Wizkid a porté une veste qui a attiré l'attention des spectateurs et c'était une veste Louis Vuitton bien sûr. Automatiquement, les plus curieux sont allés fouiller sur internet pour voir le prix de la veste de Wizkid bien sûr. Et chers abonnés, retenez votre souffle, et la veste coûte 6 550 $, soit plus de 3 millions de francs CFA, et ce juste seulement l'euro. On poursuit ce flash avec Mr. Léo qui a reçu le 19 octobre 2019 passé, il a reçu un prestigieux prix, c'est-à-dire une récompense lors des African Entertainment Awards aux USA, celui du meilleur artiste francophone devant des artistes tels que Pab Diouf, Fally Ipupa, El Marabi, Ochapi, Chichi, Hassala, Tokos, Charlotte Dipanda, Wally Sek, Sidiki Diabaté, MHD et autres. Donc Mr. Léo leur a tous damé le pignon et il a remporté ce prix. Félicitations Mr. Léo. Et oui, chers abonnés, on poursuit. Vous n'êtes pas sans savoir que nos stars aiment poster leurs photos sur Instagram et cela leur génère bien sûr des revenus. Et voici le top 10 des stars qui empochent le plus d'argent sur Instagram. Le premier, c'est Cristiano Ronaldo, 45 500 000 euros par an. Lionel Messi, 21 800 000 euros par an. Kendall Jenner, 14 500 000 euros par an. David Beckham, 10 millions d'euros par an. Selena Gomez, 7 millions d'euros par an. Neymar Junior, 6 millions d'euros par an. Zlatan Ibrahimovic, 3 500 000 euros par an. Kelly Jenner, 3 millions d'euros par an. Ronaldinho, 2 300 000 euros par an. Et Khloé Kardashian, 1 million d'euros par an. Voici le top 10 des stars qui empochent le plus d'argent sur Instagram. Et oui, chers abonnés, on finit ce flash par l'influenceuse camerounaise Nathalie Koua
qui vient de publier son deuxième livre après celui où elle parlait de sa relation tumultueuse avec Samuel Eto'o. Cette nouvelle sortie offre une histoire plus centrée sur sa nouvelle vie. Et chers abonnés, allez déguster le livre de Nathalie Koa. J'espère que vous avez aimé ces flashs. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous car c'est gratuit et à la longue, ce sera bon pour la santé. D'ici là, portez-vous bien. En route pour de nouveaux défis. Bye bye.